Comment convertir des chiffres en tests? Bienvenue dans cette nouvelle astuce sur la chaîne Excel Coaching. Si vous arrivez nouvellement sur la chaîne, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle astuce sur cette chaîne Excel Coaching où nous partageons des astuces et trucs sur le tableur Microsoft Excel. Alors dans cette nouvelle partie, nous allons voir comment convertir du chiffre en test. Par exemple, nous avons à l'écran 200, 200 et 25. Voilà, nous allons découvrir donc la fonction Convert Number Letter que nous propose Excel depuis sa version 2010 pour nous permettre de convertir des caractères numériques en caractères textuels. Donc nous allons voir donc cette fonction, elle est plutôt simple. Pour pouvoir l'activer, il faut aller au menu Fonctions, choisir Personnaliser, puis cliquer sur Convert Number Letter. Donc c'est la fonction, elle est en anglais et nous avons les arguments à remplir. Premier argument, c'est où se trouve le chiffre que nous souhaitons convertir en test. Deuxième argument, donc c'est la devise. Si on ne veut aucune devise, on met 0. Si on veut un euro, 1. Dollar, 2. Livre sterling, 3. Voilà les trois devises que Excel nous propose. Ensuite, la langue, si on veut ça en français, en Belgique, en Suisse, voilà, on a la possibilité également. Ensuite, donc, le caractère, on peut vouloir tout le test en minuscule, on peut vouloir la majuscule en début de chaque phrase et on peut vouloir la majuscule entière sur tout le test ou alors on peut vouloir la majuscule en début de chaque mot. Donc, ensuite, donc, on a le nombre de zéros, si vous voulez, les milliers, les centimes. Ne mentionne pas les 100 s'il est égal à 0 ou alors mentionne toujours les 100, voire les centaines. Donc, la limite de cette fonction est 999 4 fois qu'on peut utiliser. Donc, voilà, c'est assez vaste. On peut convertir voilà, tous les chiffres avec lesquels nous travaillons au quotidien. Donc, nous allons voir donc l'application de cette fonction qui est aussi simple, mais qui peut vous permettre de résoudre des cas dont vous souhaitez dans vos feuilles de travail. Vous avez par exemple un caractère numérique que vous souhaitez convertir en caractère textuel de façon automatique. Donc, si je me positionne ici, nous allons prendre deux autres exemples, 50, 5000, ensuite 15000, 150. Voilà les quatre caractères numériques que nous souhaitons convertir en du test. Donc, on a dit qu'on se positionne dans la cellule où on souhaite entrer la fonction, puis on va aller à formule. Voilà, ici je vais chercher FX, insérer une formule, et ici voilà, j'étais déjà là, c'est pourquoi il me propose une fois convert letter. Mais lorsque vous allez arriver, ça serait peut-être les derniers à utiliser, ou voilà, c'est souvent ça par défaut. Donc, vous venez ou sélectionner une catégorie, on déroule là et on choisit personnaliser tout en bas. Et lorsqu'on arrive sur personnaliser, on a la fonction convert number letter. On clique dessus et on dit OK. Ensuite, donc, la fenêtre des arguments s'ouvre. Quel est le nombre qu'on souhaite convertir? Il se trouve dans cette cellule A6. Je viens sélectionner simplement. Voilà le résultat renvoyé, c'est 50. Donc ensuite, la devise. Si je veux aucune devise, je mets 0. Si je veux 100 euros, je vais dire 1, par exemple, pour avoir 100 euros. Ensuite, la langue en français ou en anglais, ainsi de suite. Je mets 0 pour le français, pour faire simple. Ensuite, le caractère. Je veux la majuscule en début de chaque mot. Donc, je vais mettre 3, c'est le troisième. Ensuite, 0. Ici, je mets 0 pour qu'il mentionne les 100. Donc, OK, donc, voilà, ça, 50 euros. OK, donc là, je dis OK. Donc, voilà, il a trouvé 50 euros. Je peux donc dupliquer ma formule sur les autres cellules. Et il nous propose donc les autres traductions en test. 500, 5000 euros, 15000 euros, 150 euros. Donc, ça fonctionne très bien. Donc voilà comment vous pouvez utiliser ça. Si on ne veut pas les euros, par exemple, on peut dire, donc on se positionne là, on va reprendre formule FX,
voilà, personnalisé. Nous sommes déjà sur convert number letter. OK, et ici je vais dire voici le test. Ensuite, je vais dire 0. Je veux pas la devise 0 pour le français, 0 pour toi en minuscule, pourquoi pas, non. Je vais dire 1 majuscule en début de phrase et ici 0. Donc je dis OK. Donc là maintenant on a 50, 100 l'unité. Donc 50, 5015 et 150. Donc ça marche bien. Vous avez la fonction convert letter pour convertir donc du chiffre en test. Vous pouvez l'utiliser dans vos facturés automatisés sur Excel. Vous pouvez l'utiliser dans vos tableaux de bord pour mettre en évidence le plus grand montant en test et en chiffres. Donc voici à quoi peut se servir cette fonction. J'espère que l'astuce vous a plu. Je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous souhaitez recevoir toutes les astuces que nous publions régulièrement sur cette chaîne Excel Coaching. Alors c'était Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. Vous avez le lien du fichier en description pour pouvoir télécharger et passer à l'action en même temps que moi vous exercez. Vous avez également des liens pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin, des programmes Excel Pro Academy, une masterclass sur les tableaux de bord offertes, le programme en modélisation financière pour les financiers également. Vous avez tous les liens dans la description. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Ciao, ciao.